Et salut tout le monde, c'est Sam, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui, en fait, on n'est pas vraiment sur Minecraft. Enfin, voilà, on est sur Minecraft. En fait, comme on l'a vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, présentation de mon nouveau setup 2021. Exactement, les amis. Déjà, je tenais à m'excuser pour ma petite inactivité sur YouTube. Malheureusement, j'ai eu quelques petits problèmes, mais ne vous en faites pas, les vidéos vont revenir. Hein, voilà, j'en prépare quelques-unes et bien sûr celle-là. Voilà. Du coup, voilà, je vais vous présenter mon setup. Voilà, les amis, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous quand je fais 300, activez la cloche pour être au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Bref, allez, bon visionnage. Du coup, les amis, nous revoilà. En dehors du PC, voilà, bien évidemment, pour que je puisse vous montrer mon setup, et eh bien tout simplement, il faut bien que je filme, donc voilà, là je suis sur mon petit téléphone. Du coup, et eh bien, j'ai changé d'écran, enfin voilà, les anciens savent à peu près à quoi ressemble mon setup, et en tout cas ceux qui sont sur mon serveur Discord. Bref, voilà, donc là, mon écran. C'est le Samsung C27 F390, donc voilà, petit incurvé, 60 Go Hz, je crois. Ouais, voilà. En tout cas, la qualité est pas mal. Bref, voilà. Du coup, là, on a le clavier et la souris, tous les deux de la marque Battletron Gaming. Voilà, c'est pas une marque hyper connue, mais bon. En vrai, ça passe quand même. Du coup, alors voilà, là on a le petit clavier. Alors, du coup, pour ce qui est du clavier, voilà, les couleurs, je pense que ça vous l'avez vu, hein, voilà. Le bruit, c'est ça. Voilà, et en fait, c'est des switches blue, voilà, comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait ce bruit. Voilà. Alors, il y en a qui disent que c'est un bruit très satisfaisant. Juste que je crois que le truc là. Voilà, c'est bon. Donc, il y en a qui disent que c'est un bruit très satisfaisant. Moi, perso, j'aime pas trop parce que c'est un peu bruyant. Mais bon, on va pas trop se plaindre. Hein. Voilà. Donc là, de l'autre côté, on a la souris. Voilà. Ici, on a les deux boutons pour les DPI. Là, on a la petite molette. Le clic gauche, voilà. Et le clic droit, voilà. Ici, on a deux boutons sur le côté, voilà. La base. Hein. Et celui-là, c'est encore un autre bouton. Voilà, c'est pareil. Hein. Ce que je trouve dommage avec cette souris, c'est qu'en fait, il n'y a pas de logiciel, y a pas de logiciel pour pouvoir la configurer. Et ça, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On a vu l'écran, le clavier, la souris, voilà. Maintenant, on a la tour, voilà. Ouais, c'est un petit peu le bazar là-dedans. Voilà, on va pas se mentir. Mais c'est pas hyper grave, bon, en fait. Je vais vous raconter une petite histoire de cette tour. En fait, c'était un PC à mon père. Et en fait, moi, je voulais m'acheter un PC à moi. Genre, voilà, un PC avec une configuration. Et après, je monte le tout, etc. Malgré que c'était cher, mon père, il s'est dit, bah, si tu veux, moi j'ai un PC et je pourrais te le passer. Après, voilà. Bah, du coup, il m'a passé son PC, on l'a réparé ensemble, et bah là il marche nickel. Le désavantage du PC, c'est que la carte graphique elle est vraiment claquée au sol. Alors, la carte graphique c'est une AMD Radeon 5800 HD Series, et franchement, bah c'est pas ouf. En fait, ouais, franchement, c'est pas ouf parce que déjà. Pour ceux qui ont remarqué, là je fais peut-être 106 FPS. Mais si là je vais sur Minecraft normal, et ben là déjà on peut voir que c'est moyennement fluide comparé à l'autre. Voilà.
Là déjà on peut voir c'est beaucoup plus fluide. Voilà. Donc là regardez, voilà comme ça. Et si je fais F3, combien de FPS je fais? J'en fais 40. C'est abusé franchement. Donc en fait je me dis que c'est plutôt sur Minecraft normal que je fais 40 FPS. Et sur le AZ Launcher, et ben ils sont trop sympas parce qu'ils m'ont rajouté des FPS. Donc là voilà j'en fais 80, mais voilà si voilà je fais. En fait là j'en fais 80 parce que j'ai lancé deux Minecraft en même temps, mais c'est normal. Bref, on va poursuivre. Du coup, pour les autres composants de mon PC, eh bien tout simplement, pour mon processeur, eh bien j'ai un Intel Core i7 X980, donc 3,33 GHz plutôt, enfin c'est la même chose. Donc c'est pas mal, hein, voilà, un PC plutôt rapide, voilà, il n'y a pas de problème. La mémoire, je fais 7 Go de RAM et bien évidemment, je suis sur Windows 8. Windows 10. Désolé, c'est l'habitude parce qu'en fait, sur mon ancien PC, j'étais sur Windows 8. Du coup, et ben en fait, c'est tout simplement que mon PC pouvait pas supporter Windows 10. Donc là, maintenant, je suis sur Windows 10, voilà, donc c'est beaucoup mieux. Et après, voilà. Du coup. Bon, du coup, ça fait à peu près un beau bout de temps là que j'ai mon PC, genre, je sais pas, il y a peut-être un mois. Mais bon, voilà, du coup, là, on va passer un peu au logiciel que je possède, etc. Donc, on retourne en mode PC. Alors, les amis, j'en profite pour vous parler un peu de mon serveur Discord. Voilà, communauté ISM. En fait, on est pas ouf, genre niveau membre et tout, enfin voilà. En tout cas, je vous invite à aller rejoindre le serveur Discord, voilà, ça fait super plaisir. En plus, il y aura plein de super événements, etc., qui vont arriver bientôt. Déjà, quand vous rejoignez Discord, eh bien, n'oubliez pas d'aller lire les informations et les règles. Voilà, il y a des annonces, des sondages, des concours. Là, ce sont les deux petits salons de notification, vidéo, voilà, et Twitter, ça c'est pas pour maintenant, mais voilà. Ici, les salons de discussion, voilà. Il y a une catégorie pour les devoirs. Ici, c'est les animations et les events. Là, petit divertissement pour jouer avec les bots, là, des musiques et d'autres vocaux, voilà. Ici, voilà, on a un vocal ciné. Qu'est-ce que c'est le ciné? Alors, le ciné, c'est un salon vocal dans lequel on se rejoint tous pour regarder des séries ou des films ensemble que vous choisirez parmi ceux qui seront proposés, donc voilà, dans annonce animation. Et les events, c'est tout ce qui sera Minecraft, peut-être, Among Us, des petites parties, voilà, avec les abonnés, quoi. Et les suggestions, voilà, ce que vous proposerez pour les animations et les events. Bref, voilà, en tout cas, le vocal ciné, lui, il ouvrira aux 100 membres. C'est pour ça que je vous invite à aller tous rejoindre, regardez, on est 76 membres. Donc franchement, n'attendez plus, rejoignez dès maintenant. Donc nous revoilà sur le PC, voilà, on est en mode PC, donc je vais pouvoir vous montrer plus simplement comment c'est, sans que bien sûr, enfin sans bien sûr, ça bouge dans tous les sens. Bref, voilà, donc, bah, logique, j'ai installé Discord et OBS pour les hacks, Jim et les Minecraft, voilà, le bâtiment client, AZ Launcher, j'ai aussi mis Among Us. J'ai installé Rocket League aussi, j'ai mis Trackmania, ça aussi Trackmania, faut vraiment... C'est ce truc qui date, j'en ai pas besoin en fait, ça dégage, voilà, tout simplement. J'ai Cinema 4D et j'ai mis iTunes, voilà, logique. Passons aux autres. Pour ce qui est jeux, etc., j'ai mis Epic Games et Steam, voilà, la base. Les logiciels, et ben, Adobe Premiere Pro pour les montages. After Effects, pour le moment je vais pas l'utiliser, mais peut-être au cas où, voilà, on sait jamais. Et Photoshop pour faire les miniatures, logique. Du coup, bah, Sublime Text pour éditer des textes. FileZilla pour les accès SFTP. Et FL Studio, ça, non, ça c'est rien du tout. Du coup.
Du coup, ces deux dossiers-là, c'est rien du tout. C'est ouais, bien évidemment, c'est rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Ici, j'ai des fichiers de serveur Minecraft, donc des serveurs locaux. Hein. Ça, c'est moi. Enfin voilà, je dev un peu, etc. Du coup, voilà. Bien évidemment, ce dossier sera flouté. Car c'est mieux si vous ne voyez pas ce qu'il y a ben ce que c'est mieux si vous ne voyez pas ce que sont ces dossiers-là. Voilà, c'est mieux que je vous le cache. Bref, là j'ai d'autres dossiers aussi là j'ai un dossier dans lequel j'ai foutu des fichiers genre là je mets affaires et survie 1.17. Là, c'est des plugins que je config. Ici, c'est mon dossier de datapack. Là, c'est les mods, mes maps. Un dossier de développement dans lequel je mets des trucs, etc. Dans la catégorie développement. Ici, c'est des trucs que je fais sur Cinema 4D. Hein, voilà. Là, c'est mon dossier Optifine. Avec des trucs Optifine. Voilà. Ici, ce sont des packs de textures que je vais. Mais en fait c'est pour plus tard, hein, vous inquiétez pas, je vais pas trop vous spoiler en fait. Sinon voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, eh bien voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas voilà, je pense que j'ai tout dit, hein, voilà, nouveau setup 2021. Moi perso j'en suis très fier. Mettez une note sur 10 dans les commentaires. De mon setup, hein. En tout cas, ça c'est obligé qu'il est mieux que mon ancien setup, donc 2019-2020. Du coup, voilà. Bon, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez et activez la cloche, voilà, pour être notifié de mes prochaines vidéos. Bref, c'était ISM et moi je vous dis ciao tout le monde.